Antichristus erit terra sanctus sanctificare peccata mundi angelus salvum terra malum. Mon cher Nostradamus, à l'aube de tes 17 ans, tu as écrit cette terrible prophétie. En envoyant ta plus précieuse bague dans un futur inconnu, tu espères trouver celui qui sauvera le monde. Le compte à rebours a commencé. Catherine de Médicis. Dis mamie, oui. J'ai besoin d'un livre sur les Médicis pour mon cours d'histoire. Et je voudrais savoir s'il y en a un dans le grenier. Bien sûr, Anthony. Mais avant, il y a longtemps que je voulais te parler de ton grand-père. Comme tu le sais, il était brocanteur et se levait très tôt le matin pour faire les marchés. Et le soir, il s'y passionnait pour l'histoire. Et je pense que de ce fait, tu trouveras le livre que tu cherches au grenier. D'ailleurs, il me disait souvent que tous les trésors qu'il accumulait ainsi serviraient un jour à ses petits-enfants. Et je pense que ce jour est arrivé. Voilà, mamie, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je vais pas tarder à aller, Lisa va arriver chez maman. D'accord, Anthony, mais tu pourrais quand même m'embrasser. Je me suis jamais sentie aussi bien depuis que je suis avec Anthony. Mais c'est super, enfin l'amour. Tu as rencontré quelqu'un de bien, je suis contente pour toi. Bonjour maman, j'ai trouvé un chouette livre chez mamie. Ah, tu vois, je t'avais dit qu'on trouverait des tas de trésors dans le grenier de mamie. Je monte déjà dans ma chambre. N'oublie pas, on s'ouvre à 19h. D'accord. T'as entendu ce que le prof d'histoire racontait en classe? Ouais, c'est un gros travail, il faut que je m'y mette. Mais crois revenir à Anthony. Fais quand même attention, t'attache pas trop. Tu sais bien que le jour où c'est fini, ça peut faire mal. Oui, je sais, mais je suis sûre qu'Anthony m'aime aussi. Je lui fais confiance. Bon. Salut, à demain. Salut. T'as passé de bonnes journées? Oui, j'ai passé l'après-midi chez Esther. Ah. Telle est ma dernière prédiction.
Dans 495 ans, ce parchemin permettra de redoutables aventuriers de retrouver la chasse qui porte mon nom. La chasse de Notre-Dame. Michel de Notre-Dame, fait le 1er juillet 1520. Anthony est déjà là? Il est dans sa chambre. D'accord, je monte. Pourquoi t'as fermé la porte? Je voulais rester tranquille. T'as l'air préoccupé. Non, non, tout va bien. C'est juste que je suis occupée avec le travail qu'on doit remettre. Ça fait longtemps qu'on n'a plus été au cinéma. Ça te dirait qu'on y aille tantôt après le souper? On ira voir un film sympa. Passe ton fric, petit con! Tu viens avec nous, ma jolie! Anthony! Mais c'est fou! Viens, on se tire! C'était quoi ça? Spécialiste en planétologie, historien, chercheur. La médaille d'argent du CNRS distingue des chercheurs reconnus sur le plan national et international pour leur originalité, la qualité et l'importance de leurs travaux. Dominique Montessier est récompensé pour ses recherches sur les vieux écrits en lien avec nos systèmes solaires. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a aucun doute, ce parchemin très ancien. Il semble avoir été écrit par Nostradamus lui-même. Nostradamus? Cet illuminé qui prévoyait le futur? Entre autres. Mais ce que je tiens entre les mains ressemble plutôt à une prophétie. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un lien avec cet événement que j'ai découvert récemment. Quoi ça? Anthony, un astéroïde va bientôt percuter la Lune. Et ça aura des conséquences insoupçonnées. Et quelle incidence ça aura avec la Terre? D'après mes calculs, il y aura un changement du point de Lagrange. Et la Lune risque de changer d'orbite. Je te répète, Anthony, ça aura des conséquences catastrophiques. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais quand ça va se produire? Écoute, je peux pas te dire avec précision, mais je pense que cette bague et ce parchemin ont un lien avec tout ça. J'ai l'impression que tu as été choisi pour une cause importante. En attendant, je continue des recherches plus approfondies. Je vais consulter d'autres prophéties écrites par Nostradamus, et je te tiendrai au courant. Je compte sur toi, même si je me sens un peu perdu. Garde ton sang-froid. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Merci. Merci maman. Pour tes 17 ans, tu as droit à deux parts. Oh John, arrête tes bêtises. Va retrouver Esther. Bah, je veux bien, mais elle veut pas de moi. Il commence à faire chaud ici. Je pense que j'allais prendre. Belle soirée, hein?
Dis, Anthony, tu peux m'expliquer d'où elle vient, cette bague? Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette fois-là? Lisa, j'ai trouvé cette boîte dans le grenier de mamie. J'ai trouvé cette bague et ce parchemin. Quel parchemin? Je l'ai donné à l'astronome pour le moment. J'ai une mission à accomplir. Mais je ne sais même pas laquelle. Je ne sais même pas où me diriger. Pour le moment, je compte que sur Doki pour... Enfin, l'astronome, quoi. Tu viens danser? Ouais, j'arrive. T'es mignon ce soir. Enfin, comme d'habitude. Tu sais, je voulais te dire... Alors, tu viens? Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'heure est grave, l'information est formelle. Un astéroïde a percuté la Lune, ce qui nous plonge dans l'obscurité depuis plus de 12 heures. Nous sommes en effet confrontés à une éclipse solaire, c'est-à-dire que la Lune a changé d'orbite, ce qui nous prive de soleil. Les conséquences se font déjà ressentir. Un dérèglement de notre biosystème se produit un peu partout dans le monde et ce n'est pas terminé. Voici donc les images des différentes catastrophes naturelles auxquelles nous devons nous préparer.